elles vont prélever dans la nature les éléments qu'elles seront capables elles-mêmes de transformer pour se nourrir. Les racines pompent l'eau du sol qui est chargée en éléments minéraux. Ces éléments minéraux montent dans la plante et c'est là que le miracle arrive. Grâce à la lumière du soleil et à la composition particulière de l'air, le carbone va être utilisé par la plante pour fabriquer cette fameuse nourriture. Tout simplement à reconstituer la réserve nutritive. La grande majorité des engrais que l'on trouve dans le commerce sont appelés des engrais complets parce qu'ils contiennent les trois éléments principaux de la nutrition des plantes. L'azote sert de moteur de croissance. La plante pousse grâce à l'azote. Le phosphore favorise beaucoup d'échanges et il stimule la floraison. Quant à la potasse, c'est un élément clé à la fois pour la rigidité de la plante, sa résistance aux maladies, ça joue un rôle très important sur la saveur, sur la qualité. On trouve les engrais sous diverses formes, soit d'origine naturelle, ils sont utilisables en agriculture biologique, leur composition est particulièrement bien équilibrée, et puis les engrais naturels vont pouvoir être entièrement absorbés par les plantes et il n'y aura pas de résidus. Une des formulations les plus courantes des engrais, c'est l'engrais liquide. On va simplement le diluer dans de l'eau et on l'apportera au moment de l'arrosage. C'est très pratique, notamment pour tout ce qui est plante en pot. Veillez à ne jamais fertiliser une plante lorsqu'elle a soif. Ne surdosez jamais, respectez bien les doses d'emploi. Les engrais présentés sous forme de granulés, comme celui-ci par exemple, sont surtout destinés aux cultures de pleine terre. Et on va le diffuser comme ça, en le répartissant à la main, passer un petit coup de griffe pour pouvoir l'enfouir. Et faites toujours suivre votre apport d'engrais d'un bon arrosage pour que le produit puisse être absorbé rapidement. Une autre présentation très pratique au niveau de l'engrais, c'est le bâtonnet. Il permet une fertilisation ultra précise, c'est aussi absolument idéal pour tout ce qui est plante en pot. Nourrissez bien vos plantes et elles vous le rendront au centuple.